Tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tag. Donc un tag un peu vie privée, ce genre de choses. Enfin, un peu sur notre vie privée en fait. Donc j'ai sélectionné quelques questions, j'ai pas tout sélectionné ce qu'il y avait. Hein. Parce que sinon, voilà quoi. Alors, pour commencer, as-tu déjà embrassé quelqu'un sur la bouche? Oui. Si oui, à quel âge? Je ne sais pas. Hein. Enfin, après, la maternelle, souvent, on embrasse des garçons et tout. Donc, certainement, à cette époque-là. Donc, ensuite, es-tu amoureuse? Oui. Es-tu déjà sortie avec quelqu'un? Oui. As-tu déjà été trompée? Oui. Bon. C'était pendant le break, mais bon, ça coûte quand même. Hein. Ça fait mal aussi. Bref, la chose que tu regrettes le plus, mais qui l'entre, ça serait bien d'en perdre quelques-unes quand même, mais j'y arrive pas. Bon, j'ai un peu abandonné aussi, hein. Mais je fais attention quand même. Alors, ta pire honte, ma pire honte, j'en ai pas. Genre, si je vois cette personne, j'allais être honteuse, bah non. Non. J'en ai pas écouté, hein. Alors ensuite, la dernière personne qui t'a SMS. Bonne question parce que j'ai filmé avec mon téléphone. Et en plus, c'est vous la lire. Donc faut que je la mémorise en tête et je reviens après. C'était un pote et il me répondait oui à ma question suivante qui était ça va. Donc il m'a dit oui, voilà. Voilà. Alors, bah, je vous l'ai lu. Hein. La dernière personne que tu as vue avant de faire cette vidéo. Mes chiens. Est-ce que ça compte comme une personne? Sinon, une personne, bah, c'était les gens sur la route, quoi. Mais je les connais pas. Donc, on va dire les dernières personnes que j'ai vues. Bah, ben, les derniers êtres vivants que j'ai vus, c'était mes animaux. Alors, quelle est ta taille? Je fais 1m65 et je suis droitière ou gauchère? Droitière. Alors, la dernière chose que tu fais avant de t'endormir, c'est soit régler mon téléphone, bah, l'alarme de mon téléphone pour me réveiller demain, ou charger mon téléphone, ou répondre à un SMS. S'il y en a trois. Alors, as-tu déjà conduit une voiture? Oui, j'ai mon permis payé 6 ans, bientôt 7. Alors, la dernière fois que tu as pleuré, c'était lundi sur la série Clem. Quel est ton gros mot préféré? Putain, merde, ça c'est la base. Alors, aimerais-tu être célèbre? Non. Ta chambre brûle, t'as le temps de sauver deux choses, lesquelles sont... Sauverais-tu? Ouais. Étant donné que j'ai pas d'écran dans ma chambre, je dirais un plaid parce qu'il fait froid hein, la nuit. Je sais pas. Je dirais un plaid et puis. Franchement, ça crame. Écoute. Des vêtements peut-être. Ou une photo. Je sais pas. Ouais, peut-être des vêtements. Écoute. Enfin, voilà quoi. Alors, tu t'es déjà fait opérer? Si oui, explique. Alors, je me suis déjà fait opérer à une hernie discale lombaire. De ma vie, ben, on m'a enlevé des cailloux de ma vésicule biliaire. Voilà. As-tu eu vraiment le cœur brisé? Oui. As-tu déjà dépassé les 130 km/h? Oui. Sur l'autoroute, par exemple, quand tu veux doubler une voiture, hein, t'accélères un petit peu. Enfin bref, voilà, on l'a fait. Hein. Et ben, c'est pire. Non, crois-tu au grand amour? Oui, pourquoi pas. Hein. As-tu déjà été déprimée? Oui, comme tout le monde.
As-tu déjà été trahi? Si oui, par qui? Alors j'ai été trahi un peu par tout le monde, hein. Mais le pompon de la daronne, c'était une pote à moi. Elle est devenue enceinte. Enfin, elle est devenue enceinte. Bon, elle est enceinte. Et elle me dit, ah ben, tu veux être la marraine de ma fille? Je fais, bah oui, pourquoi pas. Écoute, on était potes, voilà, on se voyait souvent, tranquille. Et là, bon, voilà, les jours passent et tout. Et là, un jour, elle me dit, ah bah j'ai été voir le curé et tout, j'ai pris une date, c'est telle date. Et je lui dis, bah moi au mois d'août, je pars en vacances. Et là, ce qu'elle me sort, ah oh, bah faut que je change de marraine alors. Ok, écoute. Voilà. Enfin bref. Mais bon, maintenant j'en ai plus rien à foutre. Alors, la musique que tu nous recommandes. Alors, Alexandre Benjamin, la nouvelle chanson là qui passe en boucle, en boucle, en boucle. Qui même va nous casser les pieds, je crois, un jour. Et ben, j'aime beaucoup celle-ci. Voilà. Alors, n'hésitez pas à refaire ces petits tags. Petits. Il y a quand même beaucoup de questions, hein. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25, vous ça? C'est en plus un chiffre nickel. Donc voilà, n'hésitez pas à le refaire si vous voulez. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous. À très vite dans une prochaine vidéo. Bye!